Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Bonjour à tous, c'est Alexandre Courteau et voici les meilleurs clips que j'ai trouvés sur Internet aujourd'hui. Enlevez-moi ce poulpe de la tête! Alors, ça commence avec Jesse McCormack. C'est un producteur montréalais multi-instrumentiste. Nouvelle chanson « Repeat » qui parle des sensations passées dont nous sommes toujours à la recherche. Excellent clip tourné dans le désert. On attendait son disque avec impatience. Je parle de Ketranada. L'album vient d'arriver 99,9% et c'est vraiment un très, très, très bon disque. Un nouveau clip a été lancé cette semaine, Light Spots. C'est Ketranada qui apprend à un robot à danser. Ambiance cowboy et saloon pour le nouveau clip de Bernard Adamus, mettant en vedette le comédien Julien Poulain et le jeune Zéphir Bielinski qui interprète un Bernard Adamus lorsqu'il était petit. Il n'y avait rien de mieux à faire que si tu avais ses propres fières et qu'un CQ qui a pas de chaud. Alors, c'est un nouveau clip qui parle de nature, alors je dois me transformer en Charles Tisser. Dans ce nouveau clip absolument fascinant, vous allez voir une nature comme vous ne l'avez jamais vue. J'aime quand le temps nous surprend et que rien ne nous oblige. Attention, ça peut faire mal aux yeux. C'est un nouveau clip de Grimes qui revient avec son univers toujours aussi éclaté. On la voit dans un atelier d'artiste. Elle se transforme aussi en chanteuse très, très américaine. Pourtant, c'est une Canadienne. C'est tiré évidemment de son nouveau disque, l'étonnante Grimes. Millimétrique, artiste de Québec, qui nous présente un nouveau clip tiré de son disque Fog Dreams. C'est le clip psychédélique de la semaine, des belles images, il y a quelque chose de sensuel, d'aquatique également. Regardez le clip dans le noir, c'est encore meilleur. The Thin Blue Line, un groupe de Montréal qui fait de la musique instrumentale inspirée et inspirante. Le groupe est allé puiser dans des images d'archives. J'ai adoré ce clip coloré avec des images de synthèse, beaucoup de mouvements, l'animation 3D, c'est Harrison, producteur de Toronto. Ça aussi, c'est des images assez synthétiques. C'est le nouveau clip de James Blake. C'est tiré de son nouvel album, I Need a Forest Fire. C'est avec Bon Iver. Le clip est tout simplement magnifique comme l'album. C'est Radiohead avec le deuxième clip de leur nouveau disque, Daydreaming. Un clip qui a été réalisé par Paul Thomas Anderson, grand cinéaste qui a entre autres fait le film There Will Be Blood. Et en terminant, je vous laisse avec une nouveauté française, le groupe Cliché de Bordeaux, le morceau Carré Magique. C'est un morceau que j'ai choisi pour Après nous le déluge, donc je vous retrouve dans mon émission de radio vendredi soir 22h sur Ici Musique, c'est jusqu'à minuit. Sur ce, bonne semaine à tous et merci de partager si vous aimez les capsules. Projet.